Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode à l'ETA BSA dans le Loiret. Vous avez peut-être et sûrement déjà vu les deux premiers épisodes. On se trouve, on est ici le matin sur le site de l'entreprise. Il y a déjà pas mal de matériel qui sont partis. Le 942 et la 3 essieux, la tonalisée va pour dépendage liquide. On ira la voir sûrement dans la journée. Je pense qu'Alexandre nous a prévu ça. Il y a également de l'épandage solide avec l'épandeur d'Angreville 3 essieux. Et puis, bien sûr, de la presse, activité du moment avec un big crone sur le 826. J'en dis pas plus, on va aller voir Alexandre, on va aller le rejoindre au champ justement pour qu'il nous explique un peu plus son chantier de compost, d'épandage solide. Si la vidéo vous plaît, et je l'espère, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Ça fait, je dirais, toujours plaisir. Et puis, je vous souhaite une bonne vidéo. Et puis, on enchaîne, je dirais, sur le premier chantier. Allez, c'est parti. On rejoint Alex qui justement vient d'éteindre le 722. Pauline va démarrer son chantier avec l'épandeur. Comme ça, Alexandre va pouvoir nous expliquer son chantier d'épandage et puis également le programme, je dirais, des machines qui tournent en ce moment. Comme vous le savez, la saison est assez compliquée, donc il va pouvoir nous expliquer comment il s'organise. Salut Alex. Salut Simon. Ça va, la forme? Ouais, très bien. Bon bah, ça va. Encore une fois, merci de me recevoir pour ce troisième épisode. Au plaisir, ça fait plaisir de te revoir. Ouais. Qu'est-ce que tu as de prévu là en ce moment? Comment ça se passe ta saison? Parce que c'est assez compliqué à ce qu'on comprend un peu partout. Ouais, en effet, j'ai l'impression que c'est assez général à toute la France, mais on a pris un retard, nous, dans le secteur de 15 jours à 3 semaines de moisson. Donc en fait, moi, sur mes activités, qui est donc la paille et les épandages en l'occurrence, on a ce retard et c'est un petit peu compliqué. Là, on a tout qui arrive en même temps. Donc là, on est sur le début des épandages solides, là, depuis hier. Ok, donc avec le d'Angreville, le 3 essieux. C'est ça, d'Angreville 3 essieux. Donc là, on charge avec le 720 chargeur parce qu'on n'a pas fini la paille. Donc j'ai le télescopique qui est sur un chantier paille de ramassage. Ouais. Mais après, on va récupérer le télescopique parce que c'est un petit peu plus commode quand même pour remplir le d'Angreville. Ouais. Et parallèlement, donc on a des chantiers paille encore. On est plutôt sur le dernier tiers, on va dire, de la récolte. À faire, ouais. Donc à côté de ça, pour le chantier paille, on va le voir un peu après dans la vidéo normalement. Paille ou en foin, tu me disais. Là, a priori, là aujourd'hui on est dans le foin. D'ici que tu arrives, il sera peut-être arrivé dans la paille de blé. Donc voilà, un big en crone en 12,90. Ouais. Et puis nous, on ramasse selon nos possibilités derrière, on met en meule. Donc on a une partie pour faire de la prestation client et puis une autre partie qu'on fait pour notre propre compte et on vend à des éleveurs ou à des négociants. Non, bah top. Je sais pas, par rapport à l'épandeur, est-ce que justement tu parlais l'autre fois, tu avais la pesée dynamique, ça c'était pas mal notamment pour tout ce qui était réglage, faible débit. C'est ça, on apprécie sur l'épandeur donc sa polyvalence, donc c'est un tape d'épandage à caisse large, donc pesée dynamique,
il est en pneu basse pression, c'est un tridème, ce qui permet de faire aussi des gros dosages sur des produits tels que les digestats de méthanisation où on met beaucoup du 10 à 15 tonnes hectare. Donc on profite du volume de la caisse, c'est un 38 mètres cubes pour faire ces produits-là. Mais parallèlement, il est aussi très à l'aise comme aujourd'hui, on fait un compost qui est à base de lisier de porc déshydraté, je crois, et là on est sur du 3 tonnes hectare. Ouais. Donc on est, c'est la table d'épandage d'Angreville et vraiment va bien aussi pour des petits dosages. Ouais. Bon bah top. Donc je filme le chantier pour démarrer. Voilà. Ensuite, les tonnes, peut-être, si tu as de l'épandage liquide. Ouais, il y a 2 tonnes qui sont en épandage liquide, donc tu auras peut-être l'occasion d'aller les voir après. Okay. Et puis après, la paille ensuite. Ouais, super. Ouais. Bon, ça marche. Bon, bah, ça marche. À tout à l'heure. Ouais, merci. Ouais. Bon, moi, en ce qui me concerne, je fais les quelques images de la machine à épandre. Et puis ensuite, vous l'aurez compris, on se retrouve sur les autres chantiers. Me voilà arrivé sur le deuxième chantier avec notamment les ensembles à lisier que m'avait dit Alexandre. Donc on va retrouver le 942 et la Pichon 3 essieux. Et puis également il y a le 826 de mémoire. Non, le 933 en plus, je dis des conneries. Avec la Pichon 2 essieux que vous aviez vu sur le premier épisode au printemps. Et on va retrouver les deux chauffeurs. Donc Eric que je vois arriver du 933 et Thierry que vous aviez déjà vu. Salut Thierry. Salut Simon. La forme? Ça va et toi? Salut Eric, ça va? La dernière fois, ça va, on s'est vu. Bah ouais, carrément. Bon, lisier sur blé là? Lisier pour sur orge, pour les colzas. Ok. Les futurs colzas qui vont être implantés. Malgré le temps, on arrive quand même à travailler. On a mis 2 cuves pour bien tourner tout ça. On arrive près un chantier à 2. On a raccroché la grosse cuve, on a changé de la benne. Donc, pour reprendre un peu le relais quoi. Ok. Là, vous êtes à combien de mètres cubes hectares, par exemple? Là, on est à 20 mètres cubes hectares. En fait, ça dépend des clients, les doses de l'unité qu'ils veulent apporter pour leur feuilleture colza. D'accord. Et puis également du digesta, la dose qu'il a en dose ammoniacale. Ok. Bon, au final, t'es toujours sur ton 900, t'as juste dételé. Toujours, juste dételé pour reprendre la Flowmaster. Ouais. Ça va bien, ça va bien. Pour faire nos épandages d'été. Ok. Bon, si j'ai le temps, on va voir pour aller en cabine, faire un petit tour. Si tu veux, pas de soucis. Bon, ça plaisir, marche. Simon. Ok. Bon, bah, à tout à l'heure, les gars. À tout à l'heure. Merci. Ouais. Merci, Simon. Thierry s'est arrêté, je vais monter avec lui en cabine, comme ça on va voir peut-être 2-3 choses avec lui sur sa saison de lisier et puis notamment digesta, enfin du moins solide qu'on n'a peut-être pas pu voir tout à l'heure avec Alexandre. Comme ça on va faire un petit tour de tracteur. Hop. Impeccable, merci Thierry. Merci. Hop. Oh, il y en a des marches là-dedans. Le tracteur, c'est vrai qu'il est haut. Ouais, ouais. Ça va, puis il y a des marches. C'est pas fait pour les types. Ouais, non. Bon, ça va, ça se fait bien. Ça se fait bien, ça passe relativement bien. C'est un peu sec sur le dessus, ça se trouve un peu des fois. Ouais, c'est impressionnant. Tout à l'heure, rien qu'à courir, j'avais du mal parce que
Enfin, il y avait des calottes de terre, c'était déchaumé grossièrement. Malgré tout, on arrive quand même à bien passer, malgré la pluie qu'il y a eu, on arrive à pas faire de marque. Ouais, au final, ça va bien, tu utilises le télégonflage peut-être? On l'utilise, ouais, effectivement. On essaye des fois, on le met vraiment pas mal, parce que avec, au moins, mais surtout sur du déchaumé. Ouais. Comme ça, les pneus, ça les écrase mieux, ça adopte mieux la forme du terrain et moins de risques de crevaison par la suite. Bon là, comme vous êtes près de la méta, vous y allez directement, mais sinon vous êtes ravitaillé. Sinon on est ravitaillé. L'été, c'est un peu plus rare que, qu'au printemps. Ouais. On est plus souvent seul, parce qu'il y a quand même comme il y a plus d'activités aussi en parallèle, donc on est plus souvent seul. Il n'y a pas assez de chauffeurs, il n'y a pas assez de tracteurs. Pas assez de tracteurs non plus. On manque un peu de tout, mais ça se fait. Et donc, effectivement, si on est dès qu'on peut, on se fait alimenter. Et... Ouais. Donc. Bon, je ne vais pas trop te déconcentrer. Non, c'est bon. Pour le dernier tour. J'ai pile. Juste ce qu'il faut. Juste. Parce que là, en rampe, tu es en 36 mètres. 28. 28 mètres. Ouais. On est en 28 mètres. On peut la moduler donc de 18 à 28 mètres pour prendre les tronçons, ou sinon également on peut fermer une demi-rampe pour les chintes. Ah oui, côté par côté. Voilà. C'est ce qui est pas mal au moins quand on a une petite chinte à faire ou un croisement, on évite de recroiser les 18 mètres, on se prend quand 14, enfin c'est ça, à peine 14, on coupe les tronçons du bout et. Au moins t'as la même dose à peu près, on va dire partout. C'est ça, et puis on roule un peu plus vite pour vraiment. Impeccable. Là c'est du bon travail ce qu'on fait. Que des loges. Voilà c'est ça. Ça, bah, tant mieux, c'est ce qu'il faut. Ça fait un peu de poussière mais bon, tant que, tant que ça pâte pas, qu'on salit pas les routes, etc. Ouais voilà. Bon bah ça marche. Ok. Bon bah je vous mets encore quelques images du chantier, puis comme je disais tout à l'heure à la méta, on va passer au bide juste après. Bon, je viens d'arriver sur la parcelle de paille où on va rejoindre Paul justement qui est en train de presser. On va voir déjà l'humidité si elle est bonne. Thank you.
ça y est, la journée se termine. On rejoint Alexandre qui est allé voir justement Paul, son chauffeur. Bon Alex, la journée impeccable, merci. On a terminé sous un beau coucher de soleil, c'était vraiment chouette. Ouais. Pas tant mieux alors, t'as pu prendre des vues sympas. Ah, des belles images, je suis vraiment content. Ouais. On a du beau temps, on a de la chance, c'est pas le cas de tous les dernières semaines. Bah ouais, donc, ça a dû être compliqué pour toi, j'ai bien compris, pour tes équipes et tout. Ça a été compliqué le démarrage de la saison, mais ça a l'air de mieux se passer. Ouais, là ça y est, c'est parti, cette fois-ci on a enfin le temps qui est avec nous et on a deux semaines de décalage, mais bon, on va essayer de le rattraper et on a hâte que la fenaison et le pressage soient terminés pour pouvoir passer et se concentrer sur les épandages. C'est là que tu vois, quand tu as du bon matériel, les chauffeurs sont tout de suite mieux et puis derrière, tu as du débit de chantier, quoi, je pense. Oui. Non, en effet, c'est vrai que c'est vraiment gage de qualité pour nos clients déjà et puis une motivation pour nos chauffeurs. C'est vraiment un point important et puis il faut que le matériel soit vraiment bien préparé parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Ah, c'est clair. Donc, en tout cas, merci à toi pour l'accueil. Je te dis à la prochaine pour les ensilages. Au plaisir, à l'automne. Ça marche. Et puis à la prochaine. Bon courage merci pour votre pour ta saison. Visite. À merci, plus. Ciao. Bon, comme vous l'aurez compris, on termine cet épisode ici avec le 826 et la Krone. Paul va probablement recharger soit les ficelles ou du moins pour terminer tranquillement cette nuit. Jusqu'à temps que l'humidité, j'irai lui permettre de presser. Merci à vous en tout cas d'avoir regardé cet épisode. J'espère que ce troisième volet de l'ETA BSA vous aura plu chez Alexandre. En tout cas, je vous donne rendez-vous, comme vous l'avez compris, à l'automne pour les ensilages de la Méta. Et moi, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu juste ici. Allez, ciao !